Bon, les gars, c'est la crise. Est-ce que. Bon, le soleil, il est pas là, à la limite. Mais j'ai rien pour prendre un petit déjeuner digne d'un anniversaire. Au cas où je me lève. Ça fait déjà un moment que je suis réveillée, hein. Mais que je traîne dans le lit. En espérant que sur Uber Eats ou Deliveroo, il y a un miracle qui se passe. Et je regarde et je suis là. Non, en fait, je suis pas prête à payer 20 € pour avoir un petit déjeuner médiocre. Parce que clairement, quand tu regardes le choix, t'es là. Mais en fait, tout ça, je pourrais le faire si je levais mon cul et que j'allais juste chercher un truc chez l'épicier à côté. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Bon, finalement, la flemme m'a gagné. Ah, loulou, on a commandé. On a commandé sur Deliveroo, au pain quotidien. Voilà. Du coup, ça arrivera pas avant 3 quarts d'heure. Donc, j'ai le temps de faire mon lit, j'ai le temps d'aller me laver les fesses, le visage et tout. Ah, loulou, maman va chez le coiffeur aujourd'hui? Putain, quand je vois mes cheveux, c'est une horreur. Le plaisir de Luna, c'est de s'enfoncer dans les draps. Mon bébé! Mon petit bébé can fly! On va pas répéter ça à ton père, on va se faire tuer, on va secouer les draps parce que là, je vais me faire défoncer. Voilà, c'est arrivé. J'ai ma petite brioche. Oui, j'ai déjà craqué. Oui, j'ai déjà craqué, j'ai croqué dedans. J'ai pris mes compléments alimentaires et là il y a des œufs brouillés donc du coup ici c'est pas des couverts en plastique, c'est des couverts en maïs recyclable donc ça c'est bien, c'est le pain quotidien qui fait ça. Ma petite brioche, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'adore les petites brioches, j'en mange très rarement parce que je les digère vraiment pas bien, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, bah voilà, je prends ça. Donc voilà. Ensuite dans ma commande j'avais pris d'autres trucs, ça ils avaient rajouté du pain, je savais pas qu'ils allaient en mettre et j'ai pris du pain sans gluten, mais bon voilà, ça pour mon petit déj ça va être parfait. Donc c'est parti, je suis trop contente. Il y en a qui vont se dire putain, le déjeuner de merde. Mais en fait, j'ai pris que des trucs que j'aimais bien, genre des œufs, un peu de brioche et voilà. Ce que je viens de recevoir. Franchement, le timing, il était bon. Ça tombait le jour de mon anniversaire. Bon, ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà acheté la palette et le kit de pinceau. Mais je suis trop contente. C'est trop beau. Regardez. Oui, je galère avec une main. Je vais essayer quand même, mais sinon, on se retrouve après. Donc voilà. C'est trop beau. En vrai, j'ai remis en place tout cet effet la malle. Ça n'avait pas voulu tenir. Mais je suis trop contente. C'est trop joli. Donc je suis contente parce que celle-ci, je ne l'ai pas prise. J'avais pris juste ça et ça. Et du coup, bah, en fait, je vais pouvoir l'avoir. Et ça, c'est trop cool. Parce que je sais qu'il y a 3 phares qui sont déjà dans la grande, mais il y en a 3 qui n'y étaient pas. Donc ça, c'est cool. Et si on veut partir juste en week-end, c'est pas mal. La petite trousse aussi, ici, avec les pinceaux. Et les pinceaux, on n'en a jamais assez. Donc voilà. Et ça, bah, je pense que je vais l'offrir tout simplement, puisque je l'ai déjà. Donc voilà. En tout cas, encore félicitations. J'ai toujours pas fait de tuto avec. Moi, ma palette, elle est... Elle est ici, voilà. Et en fait, j'ai pas encore fait de maquillage avec, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, voilà pourquoi. Parce que ma tête laisse tomber. Mais j'ai très envie d'utiliser cette couleur-là. Sauf que ces derniers temps, je suis pas vraiment sortie de la maison et j'avais pas trop envie de trop me maquiller. Donc voilà. Du coup, faut que je trie mes pinceaux parce que j'ai plein de pinceaux abîmés et que j'aime plus. Donc voilà, je vais les trier. Je vais garder que ceux de Sana et mes Zoeva. Puisque les pinceaux Zoeva, c'est mes préférés. Et que ceux de Sana, honnêtement, pour moi, c'est kiff bourrico. Oui, expression de merde qui n'existe plus. Mais pour moi, c'est la même qualité. Je les adore vraiment au même stade. Donc voilà, je vais garder que ceux-là. Et voilà, moins de nettoyage. En fait, je dis moins de nettoyage, mais c'est pas vrai. Parce que plus t'as de pinceaux, plus t'attends. Et plus quand tu dois les laver, il y en a plus. Donc en fait, non, tu te fais toujours niquer. Les gars, je me suis fait un ballon d'anniversaire. Putain. La tristesse. Non, aujourd'hui je fais rien de spécial. Je vais faire mon aspirateur. J'ai rangé. Je vous ai fait un truc pour vous, mais je peux pas vous en parler maintenant. Mais bientôt, je vous ai fait un petit machin. J'ai trop hâte. En vrai, je suis surexcitée pour ce que je vous ai fait. Parce que je me dis, ça va trop vous faire plaisir. C'est obligé. Enfin, j'espère. Après, je vais essayer la machine hier que. Enfin, hier. Putain. Je vais essayer aujourd'hui la machine que j'avais reçue avant-hier. Parce que j'ai toujours pas fait. J'ai retrouvé mon huile. Donc, alléluia. Je suis trop contente. Et après, j'irai chez le coiffeur ce soir, mais sinon, entre-temps, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, voilà. Sophie est très très malaisante. On dirait que je suis chauve. Regardez.
Du coup, je me suis aussi épilé la moustache. Enfin, j'ai mis de la crème dépilatoire parce que j'en pouvais plus, la moustache. Quand bon, tu fais comme ça, tu fais aïe. C'est qu'il faut le faire. Sinon, mauvaise idée, quand j'ai été à la piscine la mercredi au cours d'aquabiking, j'ai attaché mes cheveux mouillés et c'est concrètement devenu de la paille. J'ai dormi avec, je les ai même pas lavés, rien. Bref, oui, je sais, c'est abusé. Donc voilà. Voilà. En gros, ça ressemble à rien. Il y en a plein qui m'ont demandé, ouais, tu fêtes pas ton anniversaire et tout. En plus, ça tombe bien, ça tombe un week-end. En fait, non, cette année, c'est vrai que je fête pas mon anniversaire. Je reste avec mon chéri, je fais rien du tout de spécial. Enfin, si, on va peut-être aller chez Paradisa, pour les Belges, vous devez connaître. Et peut-être ce soir, on va aller voir ça deux. Peut-être. Du coup, après Noël, on revient en arrière. Et Disneyland Paris et Pierre Marcolini m'ont envoyé cette jolie petite boîte pour Halloween. Donc en fait, ils ont fait une collaboration, si j'ai bien compris, et c'est plutôt mignon. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ça manque trop Disney. Parce que la dernière fois que je suis allée, je n'ai pas pu faire d'attraction, et là maintenant, je pourrais. Donc bref. Mais les chocolats Pierre Marcolini sont très très bons. Mon mari a sa boîte, enfin là où il travaille, il en a une boîte quasiment. Enfin, il en avait une boîte quasiment chaque année. Et c'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs. Il en manque déjà un. Je viens de le manger. Il était mais tellement bon. C'était à la passion. Oh. Bon bref, je retourne faire mon aspirateur. C'est la journée internationale du chocolat. C'est pas un peu un signe que ça tombe le même jour que mon anniversaire? Je sais pas, je dis ça, je dis rien.